Bonjour, mesdames et messieurs, mais en manchette aujourd'hui, êtes-vous prêts pour la chaleur accablante? Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 20 juillet 2022. La Direction de la santé publique et du Service intégré des services sociaux de la Naudière, le CI3S, tient à informer la population d'un avertissement de chaleur accablante qui a été émis par Environnement Canada pour la région. Les principales mesures de prévention adoptées lors de la chaleur intense sont buvez beaucoup d'eau sans attendre que d'avoir soif, passez quelques heures par jour dans un endroit frais ou à l'air climatisé, informez-vous des options offertes dans votre municipalité pour vous rafraîchir, réduisez vos efforts physiques et portez des vêtements légers, fermez les rideaux et ou les stores lorsque le soleil brille et aérez si possible la nuit ou tôt le matin lorsque la température est fraîche. Prenez des nouvelles de vos proches et n'hésitez pas à demander de l'aide à votre entourage. Utilisez l'eau pour vous rafraîchir la peau par des douches ou des bains frais au moins une fois par jour. Humectez souvent le corps avec des serviettes mouillées ou encore un vaporisateur d'eau. Il est aussi possible de rafraîchir les enfants en jouant avec de l'eau, les jeux d'eau, boyaux d'arrosage ou pataugeuses. Rappelons finalement qu'il ne faut jamais laisser un enfant seul dans une pièce chaude peu aérée, ni dans une voiture, ne serait-ce que quelques minutes. Les personnes les plus à risque de présenter des complications liées à la chaleur sont les enfants de 0 à 4 ans, les personnes âgées en perte d'autonomie, les personnes vivant seules, isolées, défavorisées ou itinérantes, les personnes souffrant de maladies chroniques, on parle de cardiovasculaires, respiratoires, rénales et diabète, de troubles de santé mentale ou de dépendance à l'alcool ou aux drogues, les personnes qui n'ont pas accès à un endroit climatisé, les travailleurs aux métiers exigeants physiquement ou exposés au soleil ou à la chaleur ou portant des équipements de protection individuelle pendant une longue période, les personnes faisant de l'exercice intense dehors ou dans des locaux mal ventilés ou climatisés. Quels sont les symptômes à surveiller? On parle de déshydratation, bouche et peau sèche, crampes, étourdissements, mal de tête, confusion, vomissements, nausées, évanouissements. Sur ce, soyez prudents et suivez la météo pour être bien au fait de ces périodes de canicule. Maintenant, on vous parle de Culture Lanaudière qui est heureux de lancer officiellement son projet de circuit littéraire financé par le programme de soutien au rayonnement numérique du ministère de la Culture et des Communications. À travers celui-ci, le public découvrira des récits inédits de 6 artistes lanaudois. On parle de André Jacob, Evelyne Ménard, Jocelyn Jalette, Jocelyn Touin, Marie-Soleil Roy et Nathalie Rondeau. Le projet, donc sur 6 lieux uniques de la région, ont été sélectionnés à l'automne dernier et ont fait l'objet d'espaces de création pour les auteurs. Ces derniers ont pu s'imprégner de l'atmosphère et s'inspirer du bagage historique pour en faire des récits à saveur lanaudoise. Ce projet a été rendu possible grâce à la participation et la collaboration des auteurs qui ont été vraiment une collaboration très précieuse. Idéatrice du projet, la municipalité de Saint-Alphonse-Rodrigues a reçu Mme Marie-Soleil Roy, la fondatrice de la maison d'édition et de théâtre de création Maritaire, qui nous prolonge dans un univers à la fois coloré et touchant, inspiré par le lac Pierre. À Mascouche, l'artiste multidisciplinaire André Jacob propose une fiction historique campée au domaine seigneurial. S'est installé confortablement entre les murs du vieux palais de justice de l'Assomption que le BDiste Jocelyn Jalette a pondu un thriller teinté de science-fiction. La conteuse Evelyne Ménard nous transporte quant à elle dans un récit qu'elle a créé de toutes pièces lors de sa résidence d'écriture qui s'est déroulée à la maison des contes et légendes de la Veltrie. Et finalement, une visite au parc des cultures de Saint-Jacques a permis à l'autrice Nathalie Rondeau de créer un récit poétique. Le public est donc invité à visiter les différents lieux, à scanner le code QR se trouvant sur l'affiche promotionnelle du circuit et à se laisser enivrer par différentes œuvres. Il sera aussi possible de visiter le circuit via le
culturelanaudière.ca. Maintenant, nous avons pu rencontrer M. Jocelyn Jalette qui nous parle de sa contribution à ce magnifique projet. En compagnie de M. Jocelyn Jalette. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes de quelle région exactement? Je suis de Joliette, précisément. Et vous êtes bédéiste, c'est et comme ouais. ça qu'on vous présente. Et vous me parliez un petit peu avant l'entrevue que c'était une découverte, premièrement, parce que je voyais tout l'intérêt que vous avez eu avec les fameuses BD, qu'on parle des mangas, on parle de plein de choses. Et vous en avez fait votre passion, votre travail. Ah, c'est ça. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ça? Je suis tout d'abord un lecteur de bande dessinée. C'est vraiment un lecteur assidu. Mes parents m'achetaient un album de BD à une époque où ça valait 5$ chaque album. Là. Acheté chez Wilco, même ça, ça a disparu. Oui. Puis, donc, c'est comme ça que j'ai lu les Astérix, Tintin, Boulibille, un peu tout ça. Et Lucky Luke aussi. Puis, Spirou, en tout cas, pas tous ces nommés. Là. Quand on est jeune, après ça, tu te découvres en vieillissant, tu sais, Gottlieb, puis d'autres, plus Franquin. Puis, comme j'étais fils unique, j'avais ni frère ni sœur, puis j'avais pas grand-chose à m'occuper. Fait que je me suis mis à dessiner, à refaire de la BD, puis petit peu par petit peu, j'en doute que j'avais en moi un léger talent, mais comme je l'ai beaucoup travaillé, ça s'est assez développé. Ce genre de BD, on parlait tantôt autant d'Astérix, hein, ouais. des choses comme ça, c'est beaucoup un patrimoine belge. Hein, c'est franco-belge, on appelle ça la BD franco-belge. C'est ça. Mais entre les deux, c'est tellement pareil. C'est tellement pareil. Ça, c'est quand même une technique, là. C'est une façon de faire des BD qui a été comme reconnu, là. C'est vraiment quelque ouais. chose, ben, on pourrait dire patrimonial. Oui, ben, la BD franco-belge, c'est très, très varié. Contrairement aux autres bandes dessinées nationales, pardon, la BD franco-belge, ça peut varier entre, tu peux aller de Gros Dégueulasse à Tintin en passant par Astérix, ou ça peut être très réaliste comme Largo Winch. Ça, c'est du franco-belge. Ça peut être, c'est très, très varié. C'est pour ça que tu m'avais mon genre de BD préféré. Instructif aussi, vous diriez? Pas nécessairement. Ça peut être une nullité profonde. Ça n'a pas rapport. C'est comme dire le cinéma français ou le cinéma américain, c'est bon parce que c'est le cinéma américain. Non. Il y a des films nuls américains oui. et des bons films. C'est comme il y a des cinéma. Poches aussi français, on va se le dire. Bah oui, oui, non, mais c'est ça. Dans toutes les cultures. Donc, la BD franco-belge, c'est simplement que, je dirais peut-être que ce qui la qualifie davantage, c'est que l'auteur est privilégié à la machine autour, à l'éditeur. C'est-à-dire, généralement, les auteurs gardent contrôle de leur personnage. Ce qui, aux États-Unis, est très rarement le cas. C'est le créateur de Superman, par exemple, le dessinateur, il est mort dans la pauvreté en 1974. Le personnage, il appartient à l'éditeur. Okay. Ce qui est très rare en Europe. Celui de un peu plus maintenant, mais c'est beaucoup moins. Que, c'est pareil comme le cinéma, c'est-à-dire le cinéma français, le réalisateur a le contrôle de son produit général. Okay. Alors, il y a un peu comme Dieu, il fait ce qu'il veut, puis le producteur va accepter tout ce qu'il veut. Alors qu'aux États-Unis, tu peux te faire démolir, changer un film. Combien de films ont eu des fins alternatives? Ils te ressortent 10 ans plus tard la version originale du réalisateur. Tu sais. OK. Donc, vous êtes découvert une passion, un talent. Ouais. Vous me disiez quand tantôt vous êtes allé aussi faire une formation, vous ouais. avez analysé, vous avez étudié de quelle façon ce genre de BD-là était construit, là, parce qu'il y a quand même... Je n'ai pas suivi une formation en bande dessinée, ça, j'ai plutôt lu beaucoup sur comment travaillait Hergé ou Uderzo, Astérix, Hergé, Tintin, ou Franquin, ou les grands. J'ai beaucoup appris comme ça par mimétisme. Non, une formation, j'en ai eu dans le dessin animé. En dessin animé. Et là, vous êtes rendu bédéiste. Oui. Et si vous vivez de ça, c'est ouais. présentement votre... Je vis de ça, mais pas à cause des droits d'auteur, mais à cause de la, je vous dirais un peu, le périphérique. Je fais des animations dans les écoles. Je fais des de la caricature en direct dans des activités de municipalité ou de camp de jour. Oui, OK. Ce que je fais vraiment pas mal cet été. OK, c'est bien. Ou des illustrations pour d'autres. Ah, c'est très, très bien. Et... autrement dit, si vous faites tous les styles, c'est ça que vous êtes en train de me dire. Pas que je fais tous les styles, non. Mais non, mais c'est pas le style, comment je parle de ça? Toutes les histoires, vous êtes ouvert à toutes. Oui, oui, pas dans tout. Non, qu'est-ce que je veux dire, c'est que tantôt, on a regardé, on vous présentait un petit peu de vos œuvres. Ah, heures, ok, les styles, dans le sens, je veux dire. Science-fiction, historique, patrimonial, vous faites de tout en autant que le sujet vous intéresse. Oui.
Est-ce que vous créez toujours votre trame d'histoire ou des fois vous êtes associé avec quelqu'un? Des fois, je suis associé avec, avec un auteur. Dans les livres que, sans doute, les images vont passer que moi, je ne vois pas, il y en a un qui est en vert sur l'agriculture, tout ce que cet effet du PA de la Nadière. Ça, c'est Diane Gros qui est l'auteur. Moi, je suis l'illustrateur simplement. C'est des commandes, ça. Oui, c'est une commande. C'est un livre didactique. Il y a aussi celui Le Québec en 215 tableaux. L'auteur, c'est Viateur Lefrançois. Et moi, je suis l'illustrateur. Mais les deux autres sur l'histoire de Louis Riel, l'histoire des Patriotes, là, je suis auteur et dessinateur. Et là, avec Culture La Nadière, ils ont fait un atelier, on va dire, des résidences. Ouais, des résidences littéraires. Vous avez été choisi et vous êtes allé au. Ben oui, ben, c'est quand même original, c'est quand même bien. Et vous êtes allé au. Vieux palais de l'Assomption. Ouais. Donc, vous êtes rentré dans cet espace-là. Et là, vous avez imaginé justement une science-fiction, trailer, c'est quoi? Oui, honnêtement, moi je connaissais déjà le lieu, mais avant il appartenait à un ami à moi, Marc-Antoine Jusson, puis ça a été vendu maintenant à la municipalité de l'Assomption. Donc, quand j'y suis allé, il n'y avait plus grand-chose, c'est en transformation. Je pense qu'une partie va devenir salle de spectacle. Okay. Puis, il y avait peut-être un groupe communautaire, mais j'avais le droit d'être là, puis de rester. Je partais, puis... Tu as bien les clés, là. J'avais pas les clés, mais quand je partais, ça se barrait. Je ne pouvais plus revenir dessus, sur moi, en arrière. Puis, c'est un lieu qui est réputé en été, quand même. Ça reste dans le milieu, ça reste un des 12 lieux les plus supposés en été au Québec. Donc, c'est très inspirant. C'est très inspirant, mais c'est pas très... Je ne vais pas dire le mot épeurant, mais... Tu sais, quand vous arrivez justement à l'endroit que vous venez de faire, vous venez de parler, aviez-vous déjà une idée préconçue de qu'est-ce que ça vous tentait, qu'est-ce que ça vous inspirait? On n'avait pas le choix, les six qui ont été retenus, il y a dû avoir plus d'applications, parce qu'on était six dans six lieux différents, six municipalités. Donc, une dame, Evelyne Ménard, qui était ici à la batterie. Mais on devait, pour soumettre notre candidature, dire... Votre projet. Oui, c'est ça, résumer l'histoire auquel on pensait. D'accord. Mais donc... Vous êtes inspiré des lieux en allant visiter ou vous l'aviez déjà tout imaginé, puis rendu là, vous l'avez fait, puis ça a reviré dans le bon sens. Ça n'a pas viré dans le bon sens. Je savais déjà où je m'en allais. Les lieux m'ont inspiré, mais c'est aussi des expériences qui m'ont inspiré. J'ai mélangé un paquet d'affaires de science-fiction là-dedans, tout à partir de faits réels. C'est-à-dire, dans mon histoire, il y a le lieu du Vieux Palais, évidemment. J'ai quand même inventé dans mon scénario une sorte de festival des vagabonds du ciel, qui sont des vrais clubs d'observation dans la région canadienne de l'espace, des étoiles. J'ai participé déjà à leur activité, fait que j'ai inventé comme s'il y avait eu une sorte de festival au Vieux Palais, ce que je ne pense pas avoir jamais eu lieu. Puis j'ai rajouté des extraterrestres, des soucoupes volantes, des ovnis là-dedans, sur des expériences réelles de gens qui m'ont témoigné ou que j'ai entendu. Il y avait vraiment eu une vague quelques années auparavant, dans le bout de la Valtrie, ou d'observation de ça m'a beaucoup fait penser à ça, ça m'a beaucoup travaillé l'esprit. J'ai mélangé un peu tout ça. J'avais ma belle-sœur qui avait été suivie par des lumières sur la 40 à la hauteur de la Valtrie. Puis c'est pas le genre à croire ces niaiseries. Oui, c'est pas le genre à inventer ça. Mais ça peut être un drone. Oui. Ça peut être un hélicoptère. Mais rien qu'un hélicoptère fait beaucoup de bruit, mais un drone. Un drone, oui, aujourd'hui. Bon, admettons. Peut-être, mais sauf que ça fait aller l'imagination. Oui. Donc, vous avez une très bonne imagination. Oui. La suite de cette entrevue après la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Percéville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $. Disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes, un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants, et j'ai nommé
à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRP, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Pour aujourd'hui, la FADOC de l'Île-du-Port désire souhaiter bon anniversaire à Claude Cayet. C'est votre anniversaire aujourd'hui, profitez-en, fêtez avec votre famille et vos amis. Maintenant, allons à la suite de l'entrevue avec M. Jadette. Votre technique de travail, est-ce que c'est, vous faites des maquettes, vous faites des... En bande dessinée? Oui, dans votre bande dessinée. OK, pour votre bande dessinée, tout d'abord, il faut avoir un sujet. Ensuite, des personnages, je prends d'habitude des personnages qui sont assez récurrents. Des maquettes? Non, pas des maquettes. Faites pas de petits... On n'appelle pas ça des maquettes, mais encore, disons, je vous dirais, on va plutôt développer des personnages types qu'on va décrire. Okay. Un peu comme un auteur de roman. Okay. L'auteur de roman va le faire, mais en écrivant. Moi, je vais l'écrire et le dessiner. Okay. Mon personnage, il fait quoi dans la vie? C'est quoi ses forces, ses faiblesses? Okay. Et ses aptitudes. Prenez Astérix, bon, c'est un petit gris gaulois. Obélix, c'est un gros costaud, rempli de potions magiques, etc. Puis bon, c'est un peu comme ça que fonctionnent tous les créateurs. Okay. On développe un peu. Après ça, vos plans de travail. Ah, ça, c'est autre chose. Après ça, pour chacun, lorsque j'attaque un album, si je sais exactement, si c'est un album, c'est ça la différence entre la BD franco-belge et ce qu'on appelle un roman graphique, c'est le nombre de pages. Et donc, un BD franco-belge, c'est pas mal toujours 44-46 pages. Donc, il faut que vous soyez concis. Voilà. Concis et rentrer là-dedans. Ni plus, ni moins. Okay. C'est ça l'album de... Quand Hergé faisait ses albums, c'était 62 pages. C'était ni plus, ni moins. Parce que c'est une question d'imprimerie de coût. C'est que l'imprimerie, ça fonctionne. C'est pas la question, c'est que c'est imprimé avec des cahiers de 16 pages. Okay, c'est 4 feuilles pliées en deux. Okay. Ça fait 16 pages, puis on en met autant qu'on en veut. Évidemment, il ne faut pas en mettre trop parce que ça coûte très cher. Donc, à l'époque, les Tintins avaient 62 pages, puis les Astérix on avait 48 pages. OK. C'est bien. Vous enlevez la page de garde, tout ça, il en reste 62 dans le fond pour Tintin. Et c'est pour ça que dans le dernier album fini, Les Picaros, il existe une page complètement terminée qui n'a jamais été dans l'album parce qu'il avait fait une erreur de numérotation. Ah oui, oui. Il n'y a pas pu l'artener, il fait dans ça que fini. Que là, vous faites votre page. Oui, je vais faire un bouillon. Faites un bouillon. Comme je suis mon propre scénariste, je n'ai pas besoin d'être lu par personne d'autre. Quand je suis content de ce que ça donne, si je suis satisfait, parce que je vais faire l'album au complet, tout le scénario d'un bout à l'autre, voir si ça fonctionne. Puis quand je suis certain de mon affaire, et plus certain que je peux l'être, bien là, j'attaque sur des plus grandes feuilles, ce qu'on appelle des planches, le dessin au crayon. Je vais repasser ça à l'encre. Okay. Je scanne ça, puis là, je le colle au Photoshop. Ah oui, OK. Donc, c'est un travail de moine encore? Oui. Artisan. Donc, qu'est-ce que vous me parlez? C'est tout un travail. Mais, C'est tout un travail. Parce que vous me parlez à la fin Photoshop. Oui, ça, c'est la couleur. Ah, mon Dieu, oui, mais c'est du travail aussi. C'est tout avant. Mais c'est tout ce qu'il y a avant. C'est artisan. Là. C'est manuel. Ah, c'est artisan. Oh, oui. C'est manuel. Vous faites même ça. Même si aujourd'hui, il y a beaucoup d'auteurs qui vont utiliser la tablette graphique qui ne touche plus au papier, ça reste toutes les mêmes étapes. Pareil, il faut les faire. Ça se fait pas par magie. Et là, vous faites ça avec de la musique? Vous faites ça... Vous voyez, j'ai apporté du travail. Là, après l'entrevue, je vais aller sans doute sur le bord de l'eau. Il fait beau. Je vais aller travailler dehors ou si je suis chez moi, je vais aller amuser. Oh, c'est bien. Et vos prochains projets, c'est quoi, justement? Vous venez de m'en parler un peu, je sais pas c'est quoi? J'en ai plusieurs. J'ai peint des projets, entre autres, mais disons l'histoire de la ville de Prévost, c'est un contrat que j'ai. Okay. Après ça, j'ai un petit conte que je dois finir, justement, dans ces jours-ci. Un petit conte, je suis pas l'auteur, un petit conte d'amour entre une pâtissière et un boulanger. C'est tout cute, ça. C'est beau. Et pour vous devenir auteur. Sinon, je continue ma série d'albums sur l'histoire.
Et donc, j'avais fait Les Patriotes, Louis Riel, je suis rendu au 20e siècle avec René Lévesque et Charles de Gaulle. Ah, c'est passionnant. Ouais. Donc, vous avez beaucoup de projets. Ah, ça, oui. Et je pense aussi, en terminant, que de façon générale, le BD a eu, est en effervescence. Au Québec, au village d'or de la bande dessinée québécoise, tellement que, ben oui. Il n'y avait jamais eu ça avant, des succès réels, comme Les Nombris, comme La Jean-Jean, même Gargouille et tout ça. Il n'y avait jamais eu ça avant. Puis aujourd'hui, on a des vrais succès incroyables. Et d'ailleurs, l'auteur, le dessinateur de l'AF, des Nombris, c'est lui qui a été pris pour reprendre Gaston Lagaffe. Un Québécois qui reprend Gaston Lagaffe. Même s'il y a de la contestation juridique, quand même été pris par l'éditeur Dupuis pour reprendre Gaston Lagaffe, c'est quelque chose. C'est un monument de la BD belge qui va être pris par un Québécois. C'est passionnant. En tout cas, je vous félicite très, mon cher monsieur. Merci beaucoup pour ce beau projet-là. Puis on va suivre ça sur Culture Manotaire. Oui, merci. Merci. Donc, on vous rappelle que c'est le circuit littéraire. Vous pouvez aller directement sur le site de Culture Lanaudière pour avoir toutes les informations. Il y a aussi un balado qui a été fait avec cette belle activité avec Culture Lanaudière. Maintenant, Garoufeu, agent spécial à la prévention et porte-parole de la Société de la protection contre les forêts, donc la SOPFEU, auprès des jeunes et des familles, lance un tout nouveau cahier de jeux destiné aux enfants de 8 à 12 ans, intitulé « Je protège la forêt avec Garoufeu ». 20 astuces de pro pour toute la famille. Ce cahier offre aux enfants des conseils de prévention ainsi que des activités éducatives et bricolage, notamment un avion citerne à assembler. Il sera diffusé partout en province en format papier et en format numérique. Ce cahier s'ajoute à d'autres outils de prévention développés par l'organisme, par la SOPFEU, notamment des cahiers de dessin en colorier, des activités éducatives pour les enfants de 3 à 7 ans. Gare au feu diffuse également tous les dimanches matins sur les médias sociaux de la SOPFEU via Facebook, Twitter et Instagram une série de 20 vignettes éducatives intitulées « Les astuces de pro de Gare au feu pour toute la famille ». Une fois les activités de cahier réalisées, Gare au feu invite les jeunes protecteurs de la forêt de 8 à 12 ans à tester leurs connaissances en matière de prévention en complétant un jeu questionnaire en ligne. Les jeunes ayant répondu correctement aux 25 questions seront admissibles à un tirage mensuel. Ils auront alors la chance de gagner un sac de transport étanche aux couleurs de Gare au feu. La SOPFEU invite les parents, les camps de jour, les écoles primaires, les services de garde, les groupes de scouts et les organisateurs voués à la conservation de la nature à se procurer gratuitement ce nouvel outil et éducatif, tant éducatif que ludique. Les deux cahiers sont disponibles en tout temps pour téléchargement sur la page web de Gare au feu. Les organismes peuvent commander gratuitement des copies papier sous certaines conditions en remplissant des formulaires sur la page web, de Gare au feu. Il est possible de commander plus d'un cahier en fonction de la tarification en vigueur. Chaque année, la SOPFEU doit combattre entre 450 et 475 feux de végétation en zone de protection intensive, donc 75 % sont causés par l'activité humaine. Consciente que les jeunes représentent un secteur de changement social, la SOPFEU souhaite contribuer à former une nouvelle génération de citoyens et de citoyennes responsables face à l'utilisation du feu. En s'adressant aux jeunes, le sympathique Tamia Régnier interpelle aussi les parents afin de les amener à devenir des modèles pour leurs enfants. À son domicile, paisiblement... Okay. Maintenant, allons aux avis de décès. Excusez-moi. Thank you.
Excusez-moi pour la méprise, on commence les avis de décès. À son domicile, paisiblement, le 10 juillet 2022, à l'âge de 89 ans et 7 mois, est décédé M. André Garceau, président des Huiles André Garceau Incorporée et du garage En Garceau et fils, époux de Denise Goyette demeurant à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Françoise, Benoît, Julie Bayard, ses petits-enfants, Joey, Terry, Allison, Mandy et Tessa, ses sœurs, son frère et ses belles-sœurs et beaux-frères, Denise Garceau-Feu Régis Fafard, Lucille Garceau-Feu Régent Chaillé, Yvon Garceau-Feu Mariette Fernet, Annette Garceau-Jacques Tarte, Yvette Champagne-Feu Paul-Aimé Garceau, Gertrude Bonin-Feu Gérald Goyette, Estelle Goyette-Feu Armand Bienvenu, Réjeanne Goyette-Feu Fernand Leblanc, Bertrand Goyette-Lise Pellant, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le vendredi 22 juillet de 19h à 21h et le samedi 23 juillet dès 9h au complexe funéraire F. Thériault de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 10h30. Monsieur Garceau sera inhumé au cimetière de Berthierville. À son domicile, le 1er juillet, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Claire Labrec, épouse de Monsieur Adrien Etu, demeurant à Lanoraie. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, son fils Alain Coutu, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le lundi 1er août dès 13h à l'église de Lanoraie. Les funérailles suivront à compter de 14h. Les cendres seront inhumées au cimetière de Lanoraie. Et maintenant, allons à la météo. Bienvenue en votre météo du mercredi après-midi. Ce sera un ciel variable pour cet après-midi. Nous aurons une température de 29 degrés, un temps ressenti de 37. Mercredi soir, c'est risque d'orage fort, une température de 27, un temps ressenti de 37, moins de 1 mm de pluie. Mercredi nuit, c'est nuageux avec passage, avec orage dispersé, une température de 21, un temps ressenti de 25, d'environ 1 mm de pluie. Jeudi matin, c'est nuageux avec orage possiblement fort, une température de 24, un temps ressenti de 32, 1 à 3 mm de pluie. Jeudi après-midi, c'est des risques d'orage forts, une température de 27, un temps ressenti de 37, avec 2 à 4 mm de pluie. Jeudi soir, c'est des risques d'orage forts. Nous avons une température de 24, un temps ressenti de 32 et moins de 1 mm de pluie. Voilà, c'est à tout pour votre météo. Merci Alexandre pour la météo. Donc, on vous rappelle d'être très prudent, de boire beaucoup d'eau et de veiller à vos proches en fait cette période de chaleur intense. C'était votre bulletin de nouvelles pour aujourd'hui, le 20 juillet 2022. En espérant vous revoir demain pour un prochain bulletin. D'ici là, portez-vous bien. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.